On a sorti la main droite, puis la main gauche s'ouvre pareil. Il fut un temps, il fallait prouver qu'on savait travailler. Alors comme on m'a mis au défi de fabriquer un accordéon, j'étais acheté du métal, j'étais acheté du bois, j'étais acheté tout, et j'ai tout fait. Voilà, c'est un accordéon démonté. L'accordéon parisien a bien failli sombrer dans l'oubli, et avec lui, tout un pan de l'histoire de Paris, celui des quartiers populaires qu'il avait fait danser pendant plus d'un demi-siècle. Maltraité et mal aimé depuis une trentaine d'années, il connaît aujourd'hui une renaissance inespérée. Par une surprenante pirouette de la mémoire, une nouvelle génération d'accordéonistes a retrouvé auprès de ses aînés le charme singulier de la seule musique populaire née sous le ciel de Paris. Très bizarrement. Je regardais une émission à la télé qui passait tous les samedis, qui s'appelait Le monde de l'accordéon. Et je regardais, j'étais dans la télé, je regardais, j'écoutais. Puis un jour, il y a mon père qui est rentré dans la salle à manger, qui m'a dit tu veux apprendre l'accordéon? J'ai dit oui, pourquoi pas. Mais j'étais gamin, je savais pas ce que c'était l'accordéon forcément, mais ça me plaisait. Et puis voilà, j'ai commencé à prendre des cours d'accordéon. Et je me souviens du premier cours que j'ai pris. Mon professeur m'a dit ceci, il m'a dit... Je vais te faire écouter quelque chose, il me fait écouter, c'était un morceau qui s'appelle Rue de la Chine. Et il m'a dit, tu vois, quand tu réussiras à jouer ça, c'est que tu commenceras à savoir jouer l'accordéon. C'est marrant, le monde Patrick, qui parle de Rue de la Chine, justement parce que ce morceau, c'est notre première composition. C'est vrai. Hein, compositeur. Nous n'étions pas encore à la SACEM ni l'un ni l'autre. C'est et, vrai. Et première composition, pour une première séance d'enregistrement. En plus, tout était en numéro 1, mais pourquoi Rue de la Chine sur cette mazurka? C'est que nous sommes nés tous les deux, Didi et moi, Rue de la Chine, à Paris, quartier de Ménilmontant, s'il en est dans le 20e. Et voilà à peu près ce que ça donne. L'accordéon, c'est un harmonica.
qui est monté dans une boîte. Il y a des trous et puis il y a des soupapes de l'autre côté. Vous avez des soupapes qui sont articulées par une touche ici, qu'on voit là d'ailleurs. Quand on appuie sur un bouton, ça ouvre un trou. Puis l'air, il rentre dedans et puis ça fait fonctionner une lame. Ou deux, ou trois. Non seulement leur cargaison, mais aussi la coque de leur bateau débités en bûche. C'était un bon filon à des époques où le bois et le charbon étaient les seuls combustibles existants pour le chauffage et la cuisine. Ainsi s'imposa un véritable monopole auvergnat, personnifié par l'omniprésente figure du bougnat à grosse moustache. Les bougnats ajoutèrent bientôt le vin de pays à leur négoce. La trilogie vin, bois et charbon était née, et avec elle, le bistrot parisien. C'est dans les arrières-salles des bistrots de la Bastille que se multiplièrent, à partir des années 1880, des dizaines de petits bals de famille où les Auvergnats de Paris venaient respirer l'air du pays. Les Auvergnats, d'accord, bien musette, parce que les musettes, c'était la cabrette.
Ils appelaient ça la musette à ce moment-là. Pour ça, on appelait ça les bals musettes. Mais les bals, il y en avait des centaines dans Paris. C'était l'époque où les gens ils dansaient puis payaient à la danse, passant la monnaie. Je n'ai pas connu ça, mais enfin, j'en étais pas trop loin. Et puis, petit à petit, c'est venu un musette beaucoup plus... Au début du siècle, les travailleurs italiens commencèrent à s'expatrier massivement vers la France. Comme les Auvergnats une trentaine d'années plus tôt, ils transportaient dans leur bagage un instrument de musique encore inconnu des faubourgs de Paris, mais déjà adapté au folklore de l'Italie du Nord, l'accordéon autrichien. En ce début de siècle, l'exode rural n'arrivait plus à alimenter la révolution industrielle triomphante. Pour la première fois de son histoire, la France avait un besoin vital de main-d'œuvre étrangère. Les Italiens furent parmi les premiers à répondre à l'appel. L'italien, le rital, comme l'arabe d'aujourd'hui, devint une figure familière du Paris populaire. Dans les 20 années qui suivirent, le mouvement s'accentua et Paris se transforma en capitale de l'immigration italienne avec une colonie de 150 000 personnes. La plupart de ces Italiens, par atavisme, voulaient que leurs enfants soit chantent, soit jouent d'un instrument. Moi, je sais que mes deux sœurs aînées ont fait du violon. J'ai donc commencé le violon avec elles. Mon père avait joué de la mandoline, lui, en Italie. Il fallait que les enfants fassent de la musique. Ce qui fait qu'au début du siècle, il y a des accordéonistes amateurs qui sont arrivés en France, tels Joseph Colombo, tels les frères Peguri, qui sont, à mon avis, les pionniers de toute une littérature accordéon à danser extraordinaire. Alors, ils ont commencé avec des accordéons diatoniques. Il y a beaucoup qui jouaient très bien l'accordéon, enfin, c'était le folklore italien, si vous voulez, mais enfin... Alors il fallait que ce soit des musiciens quand même un peu exceptionnels. Ils ne connaissaient pas forcément la musique. Vous voyez, il y a des gars qui jouaient à oreille, comme on dit, mais qui jouaient aussi bien que les autres. J'en ai connu quelques-uns. Ils ne connaissaient pas du tout la musique, mais ils jouent aussi bien que les autres. Ré majeur. Ré majeur. Les artisans du meuble étaient nombreux parmi les immigrés italiens. Ils se regroupèrent tout naturellement dans le faubourg Saint-Antoine, proche de la Bastille, quartier traditionnel de l'artisanat du bois. La confrontation entre la vieille cabrette auvergnate et le jeune accordéon italien était inévitable.
D'après la tradition orale du faubourg, la rencontre historique se produisit à la veille de la guerre de 14-18, rue de Lappe, chez Bousca, le plus fameux des bals auvergnats de la Bastille. Et en place pour la mazurka ! Et Péguri, venez jouer avec moi ! Un jeune Italien, Charles Péguri, virtuose de l'accordéon comme son père et ses deux frères, était venu en voisin avec son diatonique. Le grand Bouscatel l'invita à jouer avec lui. L'association Italo-Auvergnat était née, fut un triomphe et se poursuivit. Au lendemain de la Grande Guerre, la victoire des Alliés se doubla d'une victoire plus modeste mais moins meurtrière, celle définitive de l'accordéon sur la cabrette. C'est dans le cadre encore rustique des petits bals auvergnats de la Bastille qu'est né ce qu'on a baptisé le musette. Comme il arrive souvent dans les histoires de musique populaire, le créateur officiel du genre musette, celui qui en fixa la cadence et la couleur, n'est pas celui qu'on attend. Il n'était ni auvergnat, ni italien, mais breton. Il s'appelait Émile Vacher, dit Mimille. Il apprit seul les rudiments de l'accordéon sur un petit diatonique à 3 francs acheté au marché aux puces de Saint-Ouen. Son succès fut rapide et spectaculaire. Il composa à l'oreille, car il ne connaissait pas la musique, des centaines de morceaux à danser, guillerets et pétaradants, gagna beaucoup d'argent, en dépensa plus encore sur les champs de course. Premier roi de l'accordéon est mort, oublié de tous, un an après les événements de mai 68. Thank you.
cet accordéon, un des derniers accordéons d'Émile Vacher. Celui-là, il est de 1936. C'est marqué dessus. Pourquoi? Parce que les perles, le côté perlé, c'est cette époque-là. Et le son d'Émile Vacher, il est unique, je veux dire, dans son timbre. Très mordant comme ça, il n'y avait pas de sono à l'époque, pas de micro, donc il fallait bien se faire entendre. Absolument. Mais il avait une main gauche, je ne sais pas si elle fonctionnait. Mais... Il y avait des choses bouchées, il ne joue pas souvent cet accordéon. Mais enfin, on a une idée d'un timbre très, très claironnant comme ça. Pour accorder un accordéon, c'est comme tous les... Beaucoup d'instruments, on accorde par comparaison avec une autre note. Voilà. On part d'un La, et puis alors après on fait toutes les partitions, exactement comme le piano. Et puis, alors après, on donne ce qu'on appelle la vibration. Alors, plus il y a de battements entre deux notes différentes, plus l'accordéon est musette. Moins il y a de battements, moins il est musette, parce qu'on a peut-être... 7 ou 8 ou 10 façons d'accorder un accordéon, pour un tel c'est comme ça, pour un tel c'est comme ça. Et il y en a, c'est pas beaucoup de vibrations. Celui qui joue du moderne, bon, il n'y a presque pas de battement. Celui qui joue du musette, il a du battement. De battements, après ça devient qu'un caillerie, quoi. Et puis là, ça fait friser les oreilles. Moi, je sais que ça m'est arrivé de faire des accordions avec des super battements. Ben, j'en avais mal au crâne pendant 2 jours, hein, parce que ça vibrait trop, puis l'oreille n'aime pas tellement ça. Style parisien, c'est spécial, il y avait une certaine cadence qu'il fallait respecter. Et puis, les gens, je me rappelle, moi, une seule fois, j'étais remplacé un gars. Et ben, j'ai joué un petit peu plus vite parce que on venait de Nancy, à cette époque-là. Ben, les gars, ils m'ont dit, dis donc, t'as un train à prendre ou quelque chose comme ça, parce qu'il fallait respecter une certaine cadence. J'étais môme, je jouais avec ma sœur qui jouait la batterie. Alors, moi, j'avais 12 ans, elle avait 8 ans. Et donc, je jouais dans tous les cafés comme ça. Et alors, il y a un Parisien qui est venu, il me disait « la cadence ». Moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par « la cadence ». Parce que moi, je jouais les valses. À mon avis, c'était bien les valses comme je jouais. Enfin, mais je les jouais vite. Vas-y, je jouais par exemple, je ne sais pas. «
allure. Alors elle me disait, mais la cadence, parce que lui, il n'arrivait pas à danser. Il voulait un morceau plus... Je sais pas, moi. L'accordéon diatonique, avec sa contrainte du tiré-poussé, avait imprimé sa cadence saccadée à la valse musette. On était loin des raffinements rythmiques et chorégraphiques de la valse viennoise. L'exiguïté de la piste contraignait les couples à faire la toupie, à tournoyer au corps à corps, pour le plus grand plaisir des petits voyous à l'ardresse et de leurs compagnes. Dès sa prise de pouvoir sur les bals musettes, l'accordéon avait acquis une réputation tenace d'instrument de perdition. Les notables de la communauté auvergnate avaient même tenté une démarche auprès du préfet de police Lépine pour faire interdire l'appellation musette au bal avec accordéon à cause de ses origines italo-autrichiennes, donc anti-françaises, et de sa concurrence déloyale vis-à-vis de la vieille cabrette bien de chez nous. En vain. Les Bougnats, propriétaires de salles, avaient mis leur intégrisme auvergnat en veilleuse. Les affaires sont les affaires, et le client est roi, qu'il soit barbeau, marlou ou fille des rues. Il y en a qui viennent au monde peinard, d'autres au contraire, toute leur vie sont guignardes. Mon père était, paraît-il, un porc, ma mère était boniche dans sa maison. Le patron lui ayant fait du boniment, et de plus lui ayant fait un enfant, ma pauvre daronne par la patronne fut balancée en vitesse et comment. Pour me nourrir, ma mère devint catin, et moi depuis je suis devenu un bourrien. C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous qui n'en foutent pas un coup. Dans la journée, nous plongons nos mirettes, mais le soir, nous sortons nos casquettes. Nos femmes brûlent sur les bateaux, pendant que nous, chez le bistrot, dans un coin bien au chaud, on fait sa petite pelote avec des mecs comme nous, des coquins, des apaches, des hiboux. Peu à peu, l'accordéon avait débordé le décor des musettes malfamées qui l'avaient accueilli à son arrivée à Paris. Il se diffusait à travers la ville au rythme de croissance de ses quartiers populaires. Ceux-ci avaient submergé les faubourgs, franchi les barrières et absorbé les derniers villages d'alentour. Une ceinture de misère encerclait Paris. On l'appelait la zone.
La zone était le royaume des chiffonniers et des manouches. C'était aussi le réservoir naturel de main-d'œuvre bon marché qui alimentait les usines, les fabriques et les ateliers toujours plus nombreux. À cette mouise endémique s'ajouta celle des ouvriers en chômage, victimes de la crise économique des années 30. Dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals ermüden und niemals verzagen, niemals verzweifeln. ...1939 marqua l'âge d'or du genre musette. Étincelant, agressif et mélancolique, l'accordéon faisait tourbillonner les danseurs au rythme de la ville saisie par la fièvre des derniers jours de paix.
Dès les premiers jours de l'occupation, un décret conjoint des autorités allemandes et du gouvernement de Vichy ordonna la fermeture des bals et des dansings de la capitale. La fête était finie, du moins pour les habitants des quartiers populaires et pour les centaines de musiciens qui les faisaient danser. Pour les autres, officiers allemands, collabos, gros bonnets du marché noir, Zazou et autres poules de luxe, la fête battra son plein pendant 4 ans pour le plus grand bonheur des patrons de boîtes de nuit et des musiciens de jazz français, provisoirement délivrés de la concurrence américaine. L'aristocratie des accordéonistes parisiens, libérés eux des contraintes des bals musettes, profitèrent de l'aubaine pour flirter avec le jazz. Des pionniers comme Tony Murena, fascinés par Django Reinhardt et son quintet, ébauchèrent un swing musette à la française. J'ai eu la chance, moi, de connaître Didi, justement, à cette époque-là, et on écoutait les musiques du quintet, et puis Didi connaissait tout, tout par cœur, et puis il m'apprenait ces morceaux-là. À l'époque, ils ne me servaient pas à grand-chose, ces morceaux-là, sinon à enrichir, disons, ma culture. Je jouais, moi, à l'époque, dans les brasseries, disons, dans les cafés-concerts, je jouais le grand répertoire, comme on disait avec Denis, et le grand répertoire, c'était les ouvertures célèbres, c'était jouer les Schumann, les Wagner, les Rossini. Et j'avoue que cette musique me plaisait beaucoup, mais la découverte pour moi, en fait, du jazz, ça a été, bon, évidemment, ces musiques-là, mais ça a été un graphisme, c'est-à-dire une partition que m'avait prêté Joe Daly, le vibraphoniste accordéoniste, merveilleux musicien. Il m'avait donné la partie de piano de Sophisticated Lady. Et alors, j'avais recopié ça. Il y avait un paquet d'accords dans ce morceau. J'avais recopié ça. J'ai passé des heures à recopier cette musique de Duke Ellington. Et ça a été, si vous voulez, le premier choc, la première approche, le graphisme. Ça, là, c'est écrit, c'est pas seulement à l'oreille qu'on apprend le morceau. Il fallait le lire. Il y avait trop d'astuces musicales dans tous ces accords. La libération voit renaître les bals de quartier et les guinguettes. Mais le charme est rompu. Jamais plus le musette ne retrouvera sa fraîcheur d'avant-guerre. Par bonheur, la chanson parisienne fera de l'accordéon son instrument fétiche. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes, on défend les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent
nonchalante. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la tête, ils vont sans se frapper, regardant ton chemin, si Paris a changé. Il y a toujours les taxis en maraud qui vous chargent en fraude, avant le stationnement, vous gardez pour l'agent. Les taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, et qui est là depuis le matin au café.